Je vais me faire un marqueur aussi pour dire ouais, en fait, je commence à maintenant hein, parce que donc on commence plus tôt, donc du coup, logiquement, voilà. Bah voilà, je suis galbe. Galbre, comment on dit? Galbre. C'est ça, galbre. Tu vois, genre, je connais mon vieux français. Ouais, mais la caméra, elle est pas droite du tout. Qu'est-ce qui se passe? Glabre. Dépourvu de poils. Exactement. Et même. Alors regardez. Même Twitch a décidé que c'était du dating and sexting en automodation. Donc apparemment, voilà. Pas du tout républicain tout ça. Dépourvu de poils. Exact. En parlant de, bien sûr, de jeunes enfants. De personnes qui sont au collège-lycée. Écrit par des gens qui sont 3 fois plus âgés. Donc là, alors, je vais faire un petit topo de mon micro parce que faut que je m'en rappelle. Je suis sur VoiceMeeter à moins 2 décibels. Et sur OBS, je suis à moins 0,5. Sachant que logiquement, je ne devrais même pas faire moins 0,5. Je vais me mettre à 0 là. Et je vais mettre, encore baisser un tout petit peu, je vais mettre à 4. Du côté de OBS, de VoiceMeeter. Voilà. Comme ça. Pour m'en rappeler, parce que en fait c'est très compliqué à gérer ce truc-là. Ouais, et ça monte très vite dans les tours, je remarque. Et la caméra toujours pas là. J'espère que vous appréciez ce plan en montant. Alors il y a aussi Nibbler qui a essayé de me faire une coupe en me disant non, mais faut définir tes boucles. Je lui ai dit que mes boucles ne se définissaient pas en fait, que c'était un peu le principe. C'est pour ça que, voilà, bref. Elles se définissent pas parce que de toute façon, quand elles sont, entre guillemets, dans leur état naturel, c'est-à-dire sans boucle, elles sont pas bouclées. Enfin, c'est bouclé, mais sur des... Moi, j'ai des grandes boucles, c'est-à-dire... donc, c'est compliqué à expliquer, mais c'est des grandes boucles... Soit j'ai les cheveux très courts et du coup c'est des attrape-cœurs, soit c'est des grandes boucles, mais ouais, des grandes boucles. Donc du coup ça sert à rien de me faire une coupe des années 90, des 3T, parce qu'en fait ça ne marche pas. Mes cheveux n'acceptent pas cette disposition. Je me rappelle plus comment ça s'appelle, mais 3T, ils ont des petites boucles, les 3T, si vous ne savez, si vous savez. Oui, la référence, bien sûr, les 3T. You know. Petit essai. C'était notre K-pop à nous. Bon, je vais commencer à jouer. Alors attendez, parce que je vais faire un truc. Parce que je soupçonne encore le soleil de me tuer. Sauf que là, maintenant que j'ai plus de barbe, ça va être trop bien. Alors depuis tout à l'heure, je ne repère pas la différence de tes réglages fonds. C'est normal, normalement, c'est toujours le même micro. La seule différence, c'est que je l'appelle d'une autre manière. En fait, c'est uniquement pour moi. Et pour ma visu. Alors, je ne sais pas si c'était vraiment les... Alors, tu peux faire une... Je crois qu'il y a un point d'exclamation wiki. Au chat, pour vérifier. En fait, ça va juste appeler la page wiki. Une tâche facile. Mais, c'est vrai qu'on pourrait se poser la question. Mes commandes de l'enfer. Y a rien dans ce truc-là. On avait dit ici. Y a rien dans ce truc-là. Alors rappelez-vous, on est dans Baldur. On est à deux doigts d'être déchus par tous les paladins qu'on rencontre. De notre tracker. Alors, quel est le lien entre les paladins et le fait que je sois tracker et donc que je traîne dehors? Et qu'ils ont le droit de me déchoir? Trop vieux pour ces conneries. Alors, c'est possible que tu étais déjà trop vieux pour les 3T. Apparemment, c'est vrai. D'accord.
C'est un groupe de 94, oui, bah oui. Parce que Clem Lelu avait dit la dernière fois que c'est un 77. Donc forcément. Calcul 94-77, je pense que t'avais déjà un âge avancé. Au moins comme les 3T. Tu multiplies par 3. Pas du tout dur. Pas du tout dur. Ce n'est pas du tout ce que je voulais dire, bien entendu. C'était pas multiplié par 3, c'était au moins par, je sais pas. 3. Et après, tu multiplies par je sais pas combien. Bon, bref. J'ai un problème avec mon bras d'écran. Je sais pas, qu'est-ce qu'il a? 17 balais. 77, ça fait 17 balais à 94. Bah, du coup, c'est pile ton âge. C'est pile le bon âge pour les 3T. Remarque, peut-être pas, non. Parce qu'il y avait quand même de la bonne musique avant. C'est vrai que tu peux remettre en question le truc. Roturier, dame, dame. On s'en fiche du coup. Alors, on avait sauvé la nymphe. Et le dernier truc. Faut voler quelqu'un. Ouais. La godi... Ah oui, il faut que toujours qu'on aille voir du Cultan. Qu'on ne sait pas où il est. Ah oui, c'est dans la maison des ducs, j'imagine. La pierre sésame. Laërte et Louise. Laëta, une Voltine, une druidesse métamorphe, clame qu'il y a dans cette cité un vieux voyeur. Ah oui, c'est vrai que ça, il faut y aller la nuit. Un jeune homme. Et Keane, on l'a déjà vu en fait, mais le truc, c'est qu'on n'a pas récupéré son cadavre. Un groupe d'hommes étranges nous a attaqué après notre retour de la tour de Durla à Gad. Oui, bah ça, on l'a pas fait du coup. Normal. L'ascension de Sarévoque, on est à cet endroit-là. Le fils de Trémain. J'ai promis à Trémain, Belvoir, de porter secours à son fils au temple. Les 3T, c'est pour les gamins. Je rigole! Ça me fait rire! Ça me fait rire! Désolé, hein. Désolé, ça me fait beaucoup rire. Bon, on va faire un truc, hein. On va avancer. Oui, bien sûr. Draguer les filles avec une guitare, c'est... un move, hein. Oh non, regardez, il y a deux paladins, laissez-nous. Deux. Wouah, je l'ai sorti tellement vite cette blague. Nul. Moi je suis pas de la team guitare, je vous avoue. Je suis même pas de la team. Je suis même pas de la team instrument de musique appris. Donc voilà. Je suis même pas team solfège. C'était naturel, hein, mais alors faut que je vous explique, mais ce genre de truc-là, c'est comme quoi? Il faut savoir réagir. Je dois apprendre à réagir vite. Parce que sinon, je me retrouve avec des blagues faites par des petits, petites, où les gens ils font. Ouah, et après, Oui, toi, bien t'es sûr. censé, tu vois, genre, dire. J'ai pas du tout fait cette blague, tu vois. Genre, non, tu n'as pas réussi à faire cette blague avec moi. Donc, du coup, sans que je puisse en plus t'enchaîner parce que je connais la blague, etc. Du coup, moi, je suis pour la team. La team enchaînement. C'est-à-dire, si tu me fais une blague de ce niveau-là, genre Kwakubé ou Apagnan ou 1, etc., hein, et bah, du coup, faut enchaîner. Donc 1, 2 par exemple, maintenant c'est plus le cas. Maintenant c'est 1, un pagnant. Voilà. Si vous ne savez pas. Et après, vous pouvez en plus multiplier les. Ah bah il y a Tréman Belair et le Belair il est là. C'était lui qu'on avait discuté? Je sais même plus. C'était quoi qu'il fallait faire avec lui? Je l'ai lu il y a 3 secondes. Ah oui, c'est vrai, c'était ça. On lui a juste. On lui a dit, ouais, t'inquiète, ça va aller. Ok. Oui, bien sûr. On y va. On trouve la maison de... Une tâche facile. Mais voilà, faut que je me déshabitue de deux et que je dise à Pagnan plus souvent. Sinon, ça marche pas. Donc là, il y a quelque part ici
Des gens qu'on n'a pas envie de rencontrer. Faut aller par là. Eh bien, bonne prise de médoc. Oui, 1, 2, oui. J'ai réagi très vite, pardon, excusez-moi, ça va, c'est... Le matin, le cerveau va vite. Ouais, du coup, c'était quoi que tu faisais la guitare? Parce que moi, je ne suis pas team guitare, mais je connais quand même la musique. Je fais partie de la team j'aime la musique, si vous ne savez pas ça. HPP de moi. Voilà, c'est la... Vous voyez la version fatiguée, hein. C'est... Une heure d'avance, c'est déjà la fatigue. Oui, donc du coup, oui, je parlais de 1, 2, et donc maintenant, c'est plus un pagnon, et quoi? Kwakubé? Mais c'est déjà fini, en fait. Il faut savoir que Kwakubé et Apagnon, ça a duré un mois, et que, en fait, c'est fini. Hein. Non, c'est has-been, hein. Faut passer à autre chose, maintenant. Il y a des maisons abandonnées dans le coin, ok. Les VRP, c'est quoi les VRP? C'est les VR... comment ça s'appelle? C'est pas les trucs de vente? Sais quand tu vends quand tu vends dans les tu fais de porte à porte un peu ou tu te déplaces dans chaque ville pour pouvoir vendre une marque? C'est pas ça les VRP? Est-ce une blague que je n'ai pas su saisir? C'est possible. On a fait tous les quartiers apparemment. C'est fait. Donc la question c'est par où on va? Sachant qu'on a toujours pas trouvé de cordonnier. Alors qu'apparemment on peut trouver tout Une tâche partout. facile. Donc, propriété de Nantar. Taverne. Maison de Kin. L'Homme et la Cape. Maison de Dégrodel. Donc c'est pas ici. Hein. Une tâche facile. Ça doit être là. Hein. Il y avait pas un truc aussi qu'il fallait. Ah oui, c'est là-dessus. Il y avait pas un truc aussi où il fallait aller dans la Générale des Eaux là? Il y avait pas une quête comme ça où il fallait aller à la Générale des Eaux pour faire un truc? Ah oui, faut pas balancer Samuel. Si on me pose une question sur Samuel, je ne le connais pas. L'ami de Keane, non ça c'est la récupération, c'est autre chose. C'est pas la dernière aventure de Baldurin, non c'est pas ça. C'est où la Générale des Eaux? Il y avait un truc avec la Générale des Eaux, vous devez faire. Un vieux groupe français, je ne connais pas du tout. Peut-être que je connais. Mais du coup, on est d'accord que VRP, c'est bien le terme pour les ventes par Tâche correspondance. facile. De l'espèce de punk acoustique, ok. Elles avaient quelque chose en tête? Vous m'avez l'air tout droit de sortir des... C'est notre première discussion, hein. Écoutez bien. Parce qu'on ne se fait pas du tout insulter par le jeu, bien entendu. Vous m'avez vraiment l'air de sortir tout droit des égouts. Attention à ce que vous dites. Je vous fais ravaler vos paroles. Que voulez-vous dire? Que voulez-vous dire? Rôdeur d'égout? Mioche? Un petit tour à travers le donjon du citadin? Hein? Le donjon du citadin? Hein? Pourquoi ne pas nous montrer comment entrer? Ça sert à rien que je vous montre, il y a des entrées partout. Il suffit de repérer les grilles. La plupart donnent directement sur les égouts. Et il n'y a qu'à descendre, je vous l'ai dit. Le donjon du citadin. Ah, c'est ça! Du coup, on peut avoir accès. Alors là, c'est un truc parce qu'on n'est jamais arrivé dans cette place-là. Ah si, de l'autre côté.
La demeure de Maramazit. On est la nuit. On est la nuit, il faut aller de l'autre côté. Attendez. Ici qu'il faut... Non, c'est pas ici qu'il faut aller pour pouvoir... Attends, Tâche c'est facile. où déjà qu'il faut aller pour repérer le gars qui regarde par la fenêtre là? C'est là. C'est ici. Je crois que c'est là. C'est fait. Faut qu'on finisse cette tâche là. Ah! Je vous ai vu! Gentilhomme! Les gens tels que vous ne m'intéressent pas. Où. Ah, Sarajevo est bien accueilli par la noblesse, hein, comme par hasard les bourgeois encore avec les fascistes. Pardon. Et le vendeur représentant Placier, d'accord. Bon, on décide là parce que... Bon, il y a Voltine à l'intérieur. J'imagine que c'est l'autre. Mais le problème, c'est que vous êtes rentrés tous les deux, donc du coup, c'est la personne qui est à l'intérieur. Hein. Logique. Donc c'est par l'arrière, apparemment, que potentiellement, y a quelqu'un qui regarde. Oui, bien Donc là, on sûr. est la nuit. On est officiellement la nuit. Et rien ne se passe. Ah mais c'est vrai qu'il y avait que une des jumelles là. C'est des jumelles. Il y en avait qu'une. Oui, bien sûr. Oui, bien What the sûr. fuck? Where is the second? Vous nous croyez à propos du Quacrococmitaine? Où est ta sœur? Where is la Herta? Allez là. Bon, c'est Grévis, hein. J'ai déclaré c'est Grévis. Par contre, on est à côté, qu'est-ce qu'on fait après? Observe à leur fenêtre tous les soirs. Pour ma part, je ne crois pas au croque-mitaine, mais j'ai vu assez de choses au cours de mes voyages pour savoir que quelque chose se trame là-bas et c'est le persistipi. Ouais, ok. Eh bah, vu comment Grévis nous a sauté dessus Oui, à bien l'intérieur sûr. de la maison, moi j'ai envie de dire que c'est lui. Hein. Mais par contre, du coup, je comprends pas. On fait quoi maintenant? Parce que... Il est pas là, quoi. On va rentrer dans les Vous égouts. devez réunir votre groupe avant d'aller plus Et on loin. va ressortir des égouts. Vous devez réunir votre groupe avant d'aller plus loin. C'est fait. Oui, bien Alors, sûr. est-ce qu'il est là? Est-ce qu'il est là? Oh non! Ce n'est pas la loi. Oui, bien sûr. Après, je sais pas parce que j'ai l'impression de taper tout le temps dans le rouge du micro. C'est compliqué la vie. Ah non, mais il m'énerve lui là avec son paladin. Après, je vais être déchu. Bon. Une tâche facile. Ouais, on va pas rentrer. Hein. Bon, est-ce qu'il y a la maison de Grévis quelque part? Non. 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 On aura fait un peu d'essai.
Gorge, c'est modéré. Incroyable. Ouais, bah écoute, pour l'instant, Grievous, on l'a même pas croisé, donc je sais pas trop où il habite. Hein. Il y a des portes aussi qui s'ouvrent, c'est quoi ça? Mais moi, je veux bien cette maison abandonnée, hein, si vous me la donnez, moi ça me va. Hein. Alors, il faut que j'apprenne à articuler dans ce jeu. Je n'ai pas fait de théâtre. Je n'ai pas appris à articuler autre que The Street, you know. Une tâche facile. Sachant qu'en plus, l'anglais, j'ai appris à le désarticuler. C'est-à-dire en mâchant les mots. Excusez-moi, pardon. BRN, vous avez tout l'air d'être un voleur. Ah. Petrine. Ciao. Ciao, Petrine. Et les miens, ils ne sont plus là. Et je me suis enfui de chez mon oncle, BRN, parce qu'il est trop méchant. Mon chat, c'est un vrai petit ange. Je me protège à chaque fois qu'il m'arrive quelque chose de mal. Enfin, il me protégeait. Parce que je le trouve plus. Il a dû retourner chez mon oncle pour récupérer son anneau. Il adore jouer avec. Articulation. Articulation. Et donc, je pense que son chat est un mage. Voilà pourquoi il faut pas traîner avec des mages. Hein. Il se transforme en chat. Et il traîne avec des gens qui s'appellent Petrine. Voilà, donc vous êtes officiellement quelqu'un qui vole. Tâche facile. Bonjour. Nous sommes... Oui. Maudit chat, je vous donne la cape que j'ai sur le dos si vous me tuez cette sale chose. Alors, attendez. attendez. Where is the cat? Déjà. Il faut trouver le chat. Donc, le cat is not in the kitchen. Une tâche facile. Là. Moi, j'annonce, il est là. Eh ben, c'est... Ah oui, non, mais je vais me faire bomboclate par les paladins, parce que je vole des trucs, attendez. J'en profite, parce qu'on m'a demandé de chercher quelque chose. Petrine est dans le pétrin, exact, je pense, clairement. Le chat! Mais moi j'ai la faculté de parler avec les chats, donc... Charme animal, déjà. Est-ce que ça marche après vous? Voilà, maintenant on peut lui parler? Même pas! What the fuck? Ah, je le contrôle carrément. Bon, attendez. Hein. On était là. C'est fait. J'avais dit, bien sûr, que je ne vole pas. Ah, je vais envoyer Imoen voler, tiens. Imoen, va voler. J'en ai assez. Oui, bien sûr. On est occupé en bas, là, Roland. Vous êtes une bien étrange personne. J'en ai assez. Là. Oui, oh là là, oh je cherche ce chat, je cherche le chat, bien entendu. Une tâche facile. Oh là 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 là, ce chat. Oh là là, je ne sais pas où il est. Oh là là, Imoen, il faut que tu montes. J'en ai assez. Et maintenant, oh là là. Une tâche facile. Où est le chat? Où est le chat? Je me pose cette question. Moi, je m'en vais. Where is the cat? J'ai même pas les poches vides. Where is the... Alors attends. Hop. Ouais, non, ça change rien en fait, ça. Ça change rien non plus. Oh là là. Ah. On prend cet anneau. C'est fait. Elfe endormi. Un elfe qui dort. Ça dort. Ah oui, mais ça dort rarement les elfes quand même. On est d'accord, dans Donjons et Dragons, c'est censé dormir 4 heures. Non, mais c'est pour acheter des chaussures, on sait jamais, peut-être que ça va être cher. Ah oui, donc du coup, en fait, l'elfe, il disparaît. Et là, je suis censé lui parler, et je peux pas lui parler. Ok, ils ont une défense incroyable, hein, les elfes. Bon, alors bonjour, le monsieur... Alors, attendez, parce qu'on a sauvegardé, c'est bon, ok. Imoen, tu peux descendre. Et maintenant, où? Écarte le chat de l'anneau. Discussion. Facile.
Moi, je m'en vais. Moi, je m'en vais. J'ai pas compris. Oui, bien sûr. Il veut pas me parler, le chat. Donc en fait, c'est à Pétrine. C'est Pétrine. Attendez, je comprends pas. Il y a un truc qui se passe. C'est fait. Bonjour, j'ai trouvé. Vous avez trouvé l'anneau ? Maintenant, Ange va revenir et nous allons vivre ensemble pour toujours. J'aimerais avoir que quelque chose à vous donner pour l'anneau, mais j'ai vraiment rien du tout. Mais peut-être que ça vous portera chance. Groupe a perdu un objet. Elle m'a rien donné, on est d'accord. Après, on n'a rien à lui donner non plus, mais c'est pas grave, on va oui, dire. Bien sûr. Là, si je lui dis, si je discute avec cette tête de. Ce skin de voleur, hein, qu'est-ce qu'il me dit? Donc, faut tuer le chat pour. C'est uniquement tuer le chat. Mais nous, on tue pas les chats ici. Hein. Nous, on n'est pas une team à tuer c'est des fait. Chats. Je suis désolé. Bah, bonne cuisine. On ne tue facile. Pas les chats. Voilà. Mais alors, je veux juste savoir. Il dit quelque chose, l'anneau, peut-être avant. Genre. Je comprends pas. L'anneau, il vaut quelque chose. Il vaut rien. Bon, raison de plus. Hein. Bah, tu es un chat parce que le truc est en train de maudire le chat. Le Périne. Bon, c'est fait. On n'a pas tué de chat. Alors. Continue. J'en ai assez. Bonjour, vous êtes aussi un skin de voleur. Je préfère de loin les régions boisées, mais il faut être souple par les temps qui courent. C'est quoi, c'est le... La descente de la licorne dans la haute forêt. Faut que je trouve un livre que je cherche même pas. Je vais regarder dans ta bibliothèque. Hein. Non. Non. Je vous rappelle qu'on a abandonné les livres au même endroit, je crois. Hein. On avait fait une collection de livres au début. On s'est arrêté. Hein. Pas m'endormi. Si le livre n'est pas genre dans la maison d'à côté, moi je ne vais pas la chercher. Hein. Je vais pas chercher pendant 15 ans un livre qui va m'empêcher de remplir mes poches. Ah ! Excusez-moi, j'ai parlé de remplir les poches. Vous avez un coffre ! Intéressant. Bon, on attend Brosson qui ne sera jamais déchu vu qu'il est loin. Oui, bien sûr. Nous on fait le guet. J'en ai assez. Je serre le poing enflammé. Alors, on n'a même pas volé. Donc on va dire, nous allons vous démembrer. Hein. Et voilà, j'étais déchu. Vous avez entendu ce bruit, ça s'appelle la déchoire. On était là. C'est bon. Où est Roland? À l'intérieur. On descend. Oui, bien sûr. Une tâche facile. J'ai même plus volé dans cette équipe là, c'est dur la vie. Hein. Une tâche facile. Je préfère de loin okay. Les régions boisées, mais il faut être souple. Oui, bien sûr. Quelqu'un qui vient me parler, vite, traversons la route.
Ah mais... Partez loin, monsieur. Vous êtes bizarre. J'ai bien fait de faire ça. Regardez bien. La manière dont c'est écrit et la manière dont ils sont dit on va coder pour que ce gars vienne te parler. Donc, je ne sais qui vous êtes, mais je n'ai pas besoin que vous m'agressiez alors que j'ai essayé d'éviter. Et ça, c'est beau. Il faut savoir fêter ça. J'ai essayé de l'éviter et donc du coup, il a décidé de venir me harceler dans la rue. Je ne suis qu'un étranger un peu perdu. Détendez-vous. Ouais, moi je veux des informations sur le trône de fer. Pourquoi cela vous intéresse-t-il, s'il vous plaît? Une bande de crétins, si vous voulez, mon avis. Avant, ils étaient tous précieux et sérieux, mais au moins... on pouvait leur parler. Maintenant, vous pourriez leur botter le derrière, qu'ils ne réagiraient pas. Il se passe des choses bizarres là-bas. Le manque de fenêtres, ça rend bizarre. Je bonjour, petit coconu. Bonjour, bonjour. Alors attends, je vais te dire si Shotout ne fonctionne pas. Je sais plus c'était quoi. Moi, je fais clic droit sur... sur comment ça s'appelle. Zoomer, dézoomer. Je veux bien... Non. Ouais, voilà. Parce que moi j'utilise Twitch Chat, donc du coup c'est un peu plus simple. Il y a, il y a toutes les commandes à portée de main, quoi. D'autres noms. Twitch Chat. C'est pas mal. L'ascension de Sarah Evoque qui a été mise à jour. C'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est gentil. On continue. C'est bien, parce qu'en fait, on a la mise à jour au fur et à mesure de ce qui va nous arriver potentiellement. Oh non, c'est un... Oh là là, j'en ai marre. C'est un paladin. C'est quoi ça? Le palais ducal. Oh là là, on va devoir rentrer ici, en plus. On traverse ce truc. Je sais pas ce que c'est. Nous sommes de l'autre côté. Il n'y a rien. Nous passons dans cette petite ruelle. Donc on nous a parlé des égouts, je pense qu'on peut rentrer par les égouts du coup. Ça va, ça va. Fatigué, énormément fatigué, mais c'est pour ça, on a commencé tôt, on a fait une heure d'avance, je rappelle. Ce qui est parfaitement incroyable. On est en train de retrouver l'arrière là, je sais pas où on peut aller encore. Oui. Je crois que c'est un cul-de-sac. Ça, c'était vraiment pour faire genre, tout ça. On peut aller de l'autre côté de ce truc-là? Non. On a une porte? Non. Le palais ducal est là. Il faut juste traverser le... Bon, on va soit tuer un paladin, soit... voilà. J'espère que ça va aussi. Oui, fatigué. J'ai fait des modifications de son, parce que j'essaye de... faire un switch entre la track 1 et la track 2, ce qui me permettrait de mettre du son en VOD en appuyant sur un bouton et de l'enlever de la VOD en appuyant sur un bouton ou de tout casser. Je pense que ça va être tout casser. Et maintenant, l'idée c'est ça, c'est de pouvoir choisir quand. Voilà. Oui, bien sûr. Quand on veut de la musique en... Bill, mais Bill, je te connais. Bonjour Bill, vous êtes là pour le couronnement de Saravog, je suppose. Dans ce cas, je dois avoir vos invitations. Voilà les invitations. Ne soyez pas si impatient, voyez ces invitations. Oui, elles semblent authentiques, très bien, vous pouvez entrer. Merci. Merci Bill, salut. On a des authentiques invitations. Bonjour. Nous n'avons pas besoin d'invitations, voir si les invitations. Merci beaucoup, passez maintenant. On a des invitations. C'est fait. Ouais. J'ai une musique, on va voir si ça fonctionne. Parce que la dernière fois, j'ai pas mis. Mais du coup, j'ai une musique pour le grand méchant.
D'ailleurs, faudra voir si c'est en VOD ou pas. Parce que ça, ça va se faire kick direct. J'en ai assez. Est-ce qu'on vole dans le palais ducal? Oui, bien sûr. On n'était pas à côté, bien sûr. On n'a pas pu voler 240. J'ai envie de discuter avec eux. Ils ont l'air de faire peur. Par contre, discutons avec eux. Ce Saravok me semble parfois un peu bourru, mais peut-être avons-nous besoin de fermeté pour nous guider en ces temps troublés. Pourtant, je me demande, tu parles... Ah oui, c'est ça, c'est... Saravok un peu bourru, pourtant je me demande... Qui a la fin de la phrase? Qui a la fin de la phrase? Vous me trigger. Non, je ne suis pas d'accord. Il faut finir les phrases, les gens. S'il vous plaît. Le meurtre est l'œuvre de nos pères. Poursuivez comme je le fais. Ah! Attendez, j'ai la musique... Vite. Le problème, c'est que ça passait pas le micro. Alors, ça révoque. Nous avons mis la musique des méchants. J'espère que vous avez bien aimé. Par contre, ça m'a une tâche facile. Je m'y attendais pas. J'en ai assez. Il faut que je baisse le son. J'avais pas capté que ça passait par le micro. Et maintenant, en fait, ça passait par les facile. C'est ça qui est assez étrange. Je m'en vais. Ça passait partout. Donc, logiquement, il faudrait que je mette sur. Oui, parce que A1 c'est pour moi, A2 c'est pour vous. Mais en fait, ça devrait pas passer par A2. Parce que si ça passe par A2, c'est forcément le micro. Donc, je remets le micro à moins 4. Et le truc, c'est que A3 ça va nulle part, c'est le vide. Donc. Peut-être que si je peux choisir, mais là. Non. Je sais pas si vous l'avez eu du coup, mais c'était rigolo. On continue. C'est verrouillé ou c'est verrouillé? Oui. C'est ouvert ou c'est ouvert? Je sers le point enflammé. What the fuck? Mais d'où arrivez-vous? T'as entendu la différence avec quoi? Avec le son, le micro, qu'est-ce qui s'est passé? Le meurtre est l'œuvre de nos pères. Poursuivez-la comme je le fais. C'est fait. Imagine, toi, t'as ta soirée de ducal, ta soirée ducal, et y a des gens, ils arrivent et tout, en mode « Ah, au fait, rappelle-toi, c'est nous, tes pires ennemis depuis le début. » On s'est dit que la mine, en fait, elle aurait dû marcher. On s'est débrouillé pour qu'elle marche. Moi, je m'en vais. Mais ça, c'est vraiment nul, ça. Hein. Pourquoi je quitte les ombres quand j'ouvre? C'est vraiment nul. Bon, au moins, c'est ouvert. Voilà, rentrons par la grande porte. Pa-pa-pa. Bonjour. Attendez, j'ai... Aujourd'hui est un jour particulier pour la ville de la Porte de Baldur. Bah, faut continuer, madame. Le moment est venu d'accueillir un nouveau membre parmi les grands ducs. Bien sûr, la perte d'Entar, des culs d'argent, a été un véritable drame. Mais nous ne sommes pas ici pour nous apitoyer. Les voix viennent de ceux qui subissent la dictature des propriétaires terriens.
Le résultat était presque unanime. Donc ça veut dire on est d'accord que c'est une révolution bourgeoise. Et le duc Eltan, son état s'est-il amélioré? Donc pas une révolution du coup. S'il meurt, qui le remplacera? Non mais en fait, il y a des moments où c'est pas doublé. Des rumeurs annoncent qu'Amn s'organiserait pour la guerre. Pourquoi ne nous y préparons-nous pas, nous aussi? Ouais, faut mettre des étoiles, là. Alors faut... Notez votre doubleur préféré. Comment pourrons-nous nous défendre? Qui nous fournira le fer dont nous avons besoin? Un peu poussif à la fin. Pas le Zentarim. J'ai entendu dire qu'il pourrait être impliqué. Pas mal, pas mal. Oui, c'est ça. Je crois majoritairement, c'est pas doublé. A été empoisonné par des membres des voleurs d'ombre qui essaient apparemment d'éliminer nos chefs. En fait, je pense qu'ils ont mis plus de l'argent sur la quête principale. Donc, par exemple, là, il y a beaucoup de doublage parce qu'on est dans la quête principale. C'est immoral. Moi, c'est Jaira, moi j'aime bien Jaira et Khalid aussi, j'aime bien. Toutes vos questions seront élucidées en temps et en heure. Vous pouvez me croire. Antar a été tué par des voleurs de l'ombre. Agent d'Amn. Si ce n'est pas évident pour vous, ça l'est pour moi. Amn veut la guerre. Les preuves rassemblées sur le meurtre d'Antar nous font penser qu'il s'agit d'un coup des voleurs d'ombre. Mais... Alors, attendez. Le mec dit un truc. Et après, il y a la personne qui est l'IA qui dit « Ah, au fait, oui, ne rebondis pas sur les voleurs d'ombre. » Et continue comme si, en fait, c'est les voleurs d'ombre. Ça s'appelle pour moi une manière de mentir, mais très très mal. Comment ça, c'est ridicule? La signature laissée sur le corps est-elle la marque des voleurs de l'ombre? Êtes-vous donc aveugle et stupide? Et nous savons que ça s'appelle monter une preuve. Ou, comment on dit, implanter une preuve, je sais plus. Enfin bref, technique de keuf. C'est le. Alors attends parce que il y a une chaîne YouTube qui fait toutes les voix d'ailleurs de Baldur. Il faut que je voulais la récupérer pour l'avoir en commande. C'est le truc sur la nature où elle dit cette plébéante de la nature, je sais pas quoi. Je vais essayer de trouver. La signature laissée sur le corps était la marque des voleurs de l'ombre. Ils avaient signé avec leur propre sang. Ils avaient même craché dans un vocal avec marqué ADN gratuit. Êtes-vous donc aveugle et stupide? Si vous permettez, la signature laissée derrière était flagrante. Il se peut. Mais regardez, ils se répondent sans se répondre. C'est mal écrit là. Hein. Oui, ça, il se peut qu'elle ait été placée là pour nous tromper, tout ça, je suis d'accord. Donc, voudrait nous tromper. Oulala. Oulala, le doublage est mort. Peut-être devrais-je intervenir avant que cette réunion ne dégénère en chamailleries inutiles. Nous sommes ici pour accueillir notre nouveau grand-duc. Aussi ferions-nous mieux de reprendre sur ce sujet. Voici le grand-duc. Ça évoque Anchev. Alors, attends, il avait une voix un peu grave. Quel honneur, les désirs de voir tel partenaire. On dirait les trucs des années 80. J'accepte mon nouveau poste, ainsi que toutes les responsabilités qui m'incombent, aussi nombreuses soient-elles. Oh non, c'est super long. J'aimerais d'abord répondre à certaines questions qui m'ont été posées précédemment. Les rumeurs selon lesquelles l'âme mobiliserait ses troupes sont entièrement vraies, tout comme l'implication de ses partenaires Zent. Mais ne vous inquiétez pas, nous avons de quoi nous défendre. Les Zent ont peut-être essayé de nous priver de nos ressources les plus précieuses, notamment le fer, mais nous ne sommes... Eh, franchement, c'est... Il est pas très doué hein, en manipulation politique, je trouve. Le mec est en train de balancer genre tout ce qu'il a fait d'un coup en mode ouais, c'est eux, mais regarde, lorsque mon père a été assassiné, c'est eux aussi, j'ai hérité de son pouvoir, c'est eux aussi sur le secteur ouest du trône de fer, c'est pas de ma faute. Ils disposent là-bas d'importantes réserves de fer. Comment c'est possible que les minerais de fer ou que vous avez besoin, c'est moi qui les ai?
Malheureusement, notre plus grand commandant militaire repose sur son lit de mort. Non mais vraiment, c'est malheureux, quoi. C'est incroyable. C'est une épreuve douloureuse pour la cité. Bien sûr. Pour veiller à ce que le point enflammé soit bien commandé. Bien sûr, c'est moi qui vais être... J'assurerai le contrôle du régiment des mercenaires. Ouais, voilà. Attendez un Et, instant. franchement... Décision n'est pas de prendre ça. C'était... C'était... Ouais, je dois avoir un fichier wave. Quoi qu'il est léger, hein, je crois. Faut que je regarde, parce que les waves, c'est lourd, quand même. Non mais là, on est d'accord qu'il vient de... il vient de sortir son CV. Ça me choque. Cette décision n'est pas de votre ressort. Taisez-vous, laissez parler Sarvok. Ah, c'est Sarvok, c'est pas Sarévok. Au lieu d'attendre que la guerre nous frappe, nous la déclarons. Voilà, bien sûr. C'est pas du tout de ma faute. Pas du tout de ma faute, regardez. Je suis équipé comme si j'allais aller tabasser tout le monde de moi-même. Mais je suis né comme ça. C'est pas ma faute si j'ai une armure, une épée, et que je suis en train de vous parler, et que vous êtes en gentilhomme dans une soirée, dans la maison du duc, que j'ai pas tué, bien sûr. Avec le poing enflammé, nous devrions pouvoir facilement assiéger la ville de Nashkel et ensuite fortifier rapidement le col à travers les bruits de pics brumeux, quoi? Qui ose m'interrompre? Salut! C'est moi! Ah bah bien sûr. Ah ouais, c'était... Et il y a les paladins aussi. Ah, je suis mort aussi. Salut Solarius. Ouais, je suis matinal aujourd'hui, exact. J'ai commencé plus tôt. Vous venez de voir la mort de Roland de la Tour Bresson pour la 6000e fois. Roland a écouté un discours du pire politique de tout de Baldur. La plus grande manipulation. Il n'a même pas au moins essayé de faire voter les morts comme les bons manipulateurs politiques. Bien sûr. Ne sont pas plus pétés alien dans ce. Ah oui, il manque un R dans ce sol. Alien dans ce sol. Comprends, ça doit être une émote que je ne vois pas. Je vais traverser cet espace en étant transparent. Mais attendez, mais regardez-moi pas par contre, parce que je peux pas C'est être fait. transparent si vous me regardez. Voilà. Voilà, et maintenant on peut monter. Oui, Il était monsieur. honnête, ce Baldur. Ouais, je sais pas, hein, y a des moments où moi je trouve que c'est dur. C'est dur. Il faut qu'on trouve le TAN. Il y a des moments où je trouve que il est un peu gratuit avec nous. Nila, bonjour Nila. Je ne sais pas qui tu es. Bon, Nila, tu ressembles à une voleuse, donc peut-être. Peut-être que tu feras partie de notre team. Alors, quand on est déchu Une tâche facile. en tuant des paladins, si les paladins font partie de l'équipe qui nous attaque, qu'est-ce qu'on fait? Ah, il y a quelqu'un, il y a beaucoup de monde là. Et je suis pas, et je suis sorti des ombres. Donc là, par exemple, si je tue ces paladins, je suis déchu aussi. Parce que là, le but, ça va être de pas tuer des paladins. Tout en faisant en sorte qu'ils meurent. Eltan est là? Eltan, il est où? Une tâche facile. Non, mais là, officiellement, le duc Eltan est mort? Oh ben. C'est Elle est de fait. l'autre côté. En fait, j'ai du mal à saisir. J'ai du mal à saisir. On aurait pu. Non, c'est pas Eltan. C'est Ecudar. Si, l'agonie du duc Eltan. Si, c'est ça, Eltan. Malade ou pas, le duc Eltan pourra peut-être répondre à ces questions. Mais du coup, là, Oui, bien on sûr. voit qu'il y a un coup d'État en plus en live et en direct. Le plus caché possible, non, bien sûr, ça a été totalement caché, bien entendu. La manipulation politique était C'est fait. incroyable. Et là, en fait, quand je suis chez lui, le gars est dead. Petite, c'est la porte là. Ça, c'est une porte, ça? Ça ressemble à une porte. Peut-être qu'il est là. Possible. Possible, possible, possible. Sinon, il doit y avoir des trucs dans les coffres, mais on les fait tous. Je serre le poing Ah! Non, je serais déchu si tu me vois. Attends.
Faisons genre on fait partie de l'équipe. Ah bonjour, oui, bonjour, ah bonjour. Comme vous le savez, les voix viennent de... Et le duc elle... Pourquoi je tout... Les... Comment... Si... Voilà, donc ça c'était la, toute la discussion. Laissez parler Sarvok. Voilà, hop, petite pause, cacahuète. Ça c'est Clément qui a appuyé sur A, puis tab sans faire exprès. Et donc mon log me met les emotes commençant par A et je me suis pas relu. Non mais t'inquiète. Hop, hop. Attendez, il faut qu'on fourvoie des gens. Convocation d'insectes. J'ai pas dormi ? Je n'ai point dormi. Alors attendez, parce que là je... On va devoir protéger ces gens, j'imagine. Alors, on va faire un truc. J'ai appris la dernière fois qu'on pouvait faire un truc. Faire un truc. C'est ça, là. On avait vu, on peut faire deux zones. Nous, on veut protéger ces deux personnes. Donc, on va faire deux zones. C'est qui ? Pareil. I shall commit to the task. Rashad. Rashad plutôt. Hop. On va essayer de sauvegarder ces deux personnes-là. Sachant qu'on peut pas faire grand-chose d'autre. On va se mettre un peu plus loin pour nous deux. Et pareil pour vous, mon cher. Je ferai de mon mieux. Une tâche facile. On va se mettre ici, nous. Et bien sûr, on va faire des attaques Kamehameha. On voit les emotes 7 TV, c'est quoi les 7 TV? Je sais qu'il y en a certaines que j'ai enlevées. Attention! Ha! Premier qui apparaît, le premier qui apparaît. Ouh! Puis-je vous aider? Ouais, ça a l'air compliqué, hein. En plus, faut pas taper les paladins, chose que je ne suis pas très doué. Belle, t'as tué son... Ok. Oh, je dois être plus touché que je ne le pensais. Qui semble plus touché que je il ne pense. Ah, c'est moi. Qui joue? Où suis-je? Les attaques. Ah, ils sont tous les deux dead. Oh là là, ils sont fatigants. Et voilà, et après c'est moi qui vais être chargé, bien sûr. Bon, c'est officiel, j'ai du café. Écoutez. Une tâche facile. Je vais vous mettre en plein suspense. Et je vais faire une pause. Cacahuète de café, justement. Voilà, il a été élu. Officiellement. Et je reviens d'ici peu. À tout à l'heure.
Nous sommes repartis. Bonjour. Ah oui, non, mais j'ai mis deux micros là, par contre. Alors voilà, là normalement c'est bon. Bon, bah j'ai décidé d'abandonner, hein, ils vont mourir. Non, mais ça ne changera pas grand chose. Ah, bah je suis mort vite! LOL, le retour! C'est allé vite aujourd'hui. Ouais, alors je sais pas comment ça se fait que ça a changé en 720 d'un coup. J'ai décidé plus ou moins d'abandonner, de les sauver, hein, parce que j'ai l'impression que je vais mourir vite dans cette histoire. Voilà, c'est un coup d'état. On va se mettre loin. Et on peut pas incanter notre... Sinon on fait dodo avant, on verra. Puis-je vous aider ? C'est possible qu'on puisse les sauver, vous pensez ? C'est la grande question que je me pose. Razad, tu devrais te mettre devant. Mais oui, en fait, on n'a pas fait dodo. C'est ça le problème. Ah ! Mais Dorn, vous êtes loin ? Attendez, comment ça se fait que Dorn, il est aussi loin ? On va faire dodo. Sauver un doppelganger, pas trop, non. Alors, on sauve pas des doppelgangers, c'est les doppelgangers qui sont bourgeois, c'est des bourgeois doppelgangers, je sais pas comment on dit. Oui, bien sûr. On va faire dodo à l'extérieur, on va revenir. Les deux micros, ça faisait un chouette truc. Ah bon? Alors, normalement, le micro, il est directionnel, c'est-à-dire que si je me mets de ce côté-là, vous l'entendez de ce côté-là, et si il est de l'autre côté... Une tâche okay. Facile. Pas de vague en bandage. On a dormi devant facile. Toi, mais c'est pas grave. Normalement, on a fait dodo, là. On est d'accord? Attendez, je check. Ah, j'ai failli bannir Clem Lelu en miscliquant. Ah, on n'a pas réussi à dormir. Ah, c'est intéressant. C'est fait. Vous devez réunir votre groupe avant d'aller plus loin. C'est fait. Du coup, on va faire dodo bah, dans la ruelle derrière. Au moins, le vagabondage, il sera autorisé là-bas. J'espère que tu vas bien, Raving Bell. J'ai pensé à toi. Mais je ne sais pas si tu es libre. Alors attends, parce que vendredi, j'aurai peut-être stream particulier, ça va être aussi long qu'aujourd'hui, même plus. Vendredi? Jeudi? Je sais plus. Le 26, c'est quand? Le 23, c'est dans 3 jours. Vendredi. Je me suis dit, peut-être qu'on se calaxe un calax. C'est à 10€ sur Steam. On fait genre... On fait genre un stream en duo, si tu veux. Je suis un peu motivé. Et... Oh! La caméra, s'il vous plaît. Mais je suis grand, pourquoi je suis grand, là? Je peux pas bouger la caméra, et le truc, il a dit, oh, j'étais trop grand, en fait, pour la caméra. Voilà, comme ça, c'est bien. Lol. Là, c'est mieux. Et les sons sont du bon côté. Oui, j'ai fait un travail de... Voilà. J'ai fait un travail. Je fais un shoot-out, attends. Pendant qu'on fait le dos. Mais... On reviendra, du coup. On va faire dodo ailleurs. Il n'y a pas un endroit... Ah si, c'est de l'autre côté où il y a un endroit où on peut aller directement dans la... Mais il y a des... Oui, bon. Ah, ok. On va aller dehors. Mais là, on n'y est jamais allé aussi. En haut, là. Ok. Si je fais dodo ici... Je serre le point enflammé. C'est fait.
Oui, bien sûr. On est obligé de dormir dans les... voilà, hein. Dans les égouts. Ok, c'est bon, là on a fait dodo. Oui, bien sûr. Mais ça, on sait pas ce que c'est comme objet. On va être encore plus banni de la bannissement. Hein. Ça va être compliqué, hein, de revenir à Valdir. Vous devez réunir votre groupe avant d'aller plus loin. En fait, ça serait. Je me suis dit, mais après, j'en ai pas parlé à Raving Bell. C'est pas bien de faire comme ça en live, je trouve. C'est possible. Comment ça, si vous me permettez. Cool. Peut-être devrais-je attendez. Taisez-vous. Laissez parler ça. Du coup, ce sera pas sur Valdir. Je précise. Oh non, mais je l'ai fait. Je l'ai pas sauvegardé. Il nous faut notre voilà l'incantation de la dame de feu. J'en ai assez. C'est fait là. Voilà. On se met bien au milieu. Et on aspire, bien entendu, le venin de leur corps. Ok, on en a eu un. Ah, c'est ton week-end. Bon, d'accord, pas de problème. J'ai besoin d'une confusion totale tout de suite maintenant. Confusion. Ça se passe plutôt bien pour l'instant. Ils sont légèrement blessés, ça va pas être très simple non plus. Pas de problème. Oui. Eh mais c'est moi, Roland Latour-Grosson, qui sont en train de décéder. Eh, j'ai augmenté un niveau, j'ai de quoi faire. Voilà, confusion sur tout le monde là, si c'est possible. Il y en a un des deux qui est mort. Relance ou tu t'en sors là. Oh là 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 là. Parce que je n'y ai pas pensé avant, et que je t'ai pas envoyé de message avant, et que c'est Kallax. Voilà. Et que Kallax, on en avait parlé chez toi et chez Petit Cancan. Et que je me suis dit, en fait, j'ai un stream plutôt long potentiellement ce jeudi ou vendredi, je sais plus. C'est après voilà, moi je vais le prendre sur Steam parce qu'il est à 9,37€ et apparemment il est nulle part ailleurs. Et y a pas de combattance de prix, quoi. Mais si t'es motivé, ouais, on pourrait essayer. J'ai pas essayé encore sur mon ordi. C'est possible que mon ordi meure, mais en vrai, pas grave. Pas grave. Serviteur de Dame Nature attend. On va préparer tout. Du coup, je te dirai. Je vais le récupérer là, tout à l'heure. Tâche facile. On essaye de sauvegarder les gens, mais je pense que ça sert pas à grand chose, hein, je vous avoue. C'est un coup d'état, donc le but c'est qu'il meure en fait. Vu qu'il se pose des questions, c'est mal parti pour Sarvok. Sarvok. On se met là. Donc confusion directe si c'est possible.
Et on zoom. Oui, il paraît que tu stream. Bon, mon stream, oui, j'ai vu. Allez voir Ringbell qui stream. J'ai vu un truc. J'ai vu passer la chose. J'ai vu la notif. Ah ouais, faut que je me connecte. C'est compliqué hein, de se connecter apparemment sur Twitch. Vous, Roland de la Tourbrousson, vous pouvez vous mettre peut-être à distance, ça peut être pas mal. Parce qu'apparemment, vous prenez des chairs sur le chemin. Mais j'ai l'impression qu'il va pas y avoir de confusion dans cette histoire. Et maintenant, que se passe ? C'est fait. C'est très mal parti. Je le dis d'avance, c'est très très mal parti. Il y a des gens qui sont confus, mais à moitié. C'est au cas où. Est-ce que domination mentale, ça va changer quelque chose? Je ne sais pas. Pourquoi il n'y a que moi qui prends, hein, s'il vous plaît? What the fuck, man? J'ai pas fait un shootout d'ailleurs. Si, j'ai fait un shootout ou pas? Si, j'ai fait un shootout. Du coup, Raving Bell est actuellement sur The Book Walker, Fifth of the Tower. Fifth of the Tower. Bon. Ah, c'est intéressant. Le serviteur de Dame Nature attend. On va se placer là. Avec nos distances. Vous êtes une bien étrange personne. On va se mettre là-bas aussi. Distance là-bas. À part l'intérieur, c'est rigolo ça. Ça j'aime bien ça. C'est pas du tout stratégique. Peut-être devrais-je intervenir avant que cette réunion ne dégénère en... Attendez, taisez-vous. Laissez parler Sarvok. Moi, je m'en vais. Your wish. Je ferai. Moi, je veux que tu rentres vite dans l'arène. Ici. Ouah, mais ils vont tellement vite. Notre stratégie n'est pas bonne. Je suis désolé, on va recommencer, mais la stratégie n'est pas bonne du tout. Hop. Pour le groupe. On est obligé de diriger le chemin. Pourquoi tu prends des coups? Pourquoi t'es empoisonné? Il s'est passé quoi? Pourquoi il est empoisonné? Parce que j'ai un cantaté? Pour le groupe. J'ai un cantaté et du coup ça marche pas. Moi, c'est... La nature elle a dit non. C'est fait. Et vous, faut que vous arriviez direct s'il là. Pas le choix. Et vous, il faut que vous fassiez une domination avant même que ça commence. Comme comment ça, si vous me permettez. Dis donc, peut-être devrais-je intervenir avant. Attendez, taisez-vous. Laissez parler Sarvok. Oui, bien sûr. Non, il faut les protéger, il faut les protéger, il faut les protéger, s'il vous plaît. Protégez-moi ces gens. Je ferai de mon mieux. Avez-vous besoin de m'aider? Je peux toujours essayer. On peut s'en occuper de un déjà, ça serait pas mal. Ensuite. Là, il y en a un qui est en train de se faire tabasse. Voilà, il y a des confus. La distance est ici. Ça a l'air de mieux se passer que tout à l'heure.
Immobilisation de personne, on va immobiliser celle-ci. Ah, cette personne est morte. Immobilisation de cette personne là. Il y a plus de gens. Potentiellement, il survit. Faut absolument, par contre, qu'il y ait des gens qui tapent, oui. qui tapent ces personnes-là, si possible. Il a. J'ai si froid. Moi, je m'en vais. Il n'y a pas de problème. Hop. On va juste taper. Normalement, c'est censé bien se passer. Je comprends pas en fait ce qui se passe avec le 720p parce qu'on s'est en plein milieu du truc que s'est passé en 720. Alors qu'on était déjà en 720. Bon. Il n'en reste qu'une. Vous êtes une bien non confuse. Occupez-vous de celle qui n'est pas confuse, s'il vous plaît. Voilà, c'est fini. Il y en a un qui a survécu. Il y a un des ducs qui a essayé. Ah non, il y en a deux. Très bien. Heureusement, braves gens, que vous êtes intervenu en votre nom. Que puis-je faire pour vous remercier? Eh bien, jetez un coup d'œil à ces documents. C'est Sarévo qui a essayé de vous tuer, qui a fait tuer Entar et qui a failli tuer Eltan. C'est Sarévo qui a voulu vous faire tuer, vous devez l'éliminer immédiatement. Nous avons le journal intime de Sarévo. Jetez-y un coup d'œil. Sarévo qui est celui qui a essayé de vous tuer et qui a fait tuer. Et qui a failli. Alors. Je vais vérifier, mais je vous préviens. Si vos accusations sont fausses, le châtiment sera terrible. Angelo, ce sont des personnes recherchées pour plusieurs meurtres. Tuez-les! Ne faites rien à ces hommes tant que je n'ai pas fini de lire ces documents. Vous n'avez pas besoin de lire ce document, mais puisque vous persistez à ne pas suivre mes conseils, vous allez voir. Officiellement sorti du problème. On va faire ça. Je vais m'enfuir de lui. Officiellement devenu méchant, et officiellement tout le monde va t'en vouloir maintenant, ça arrive. Regardez-moi ce combat. Ce combat de qualité. Pas trop quoi en penser. Peut-être que j'aurais dû m'enfuir, vraiment. Donc là, on est d'accord, on peut pas revenir là où on lui donne les documents. Non ! C'était une bonne strat. Non, pas vers l'intérieur, c'est mieux. On nous embête pas vers l'intérieur. Le problème, c'est qu'on est trop près de Sarévoque à la fin, c'est tout. Bon. S'il n'y a pas le choix. Peut-être devrais-je attendre. Taisez-vous. Laissez parler Sarvok. Je suis la loi. Pour ceux qui ont perdu. Oh là 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 là, mais il court tellement vite. Le temps d'arriver. Ils ont déjà tué Belt ? Où est Belt ? Belt est mort ? Non, elle est là. Ok, c'est bon. On a Belt.
vivant. On va immobiliser des gens. Il y avait plus de conflits tout à l'heure, je crois, non? Oui, on a perdu un des ducs. Oh là 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 là. C'est compliqué les missions comme ça. S'il n'y a pas le choix. Peut-être devrais-je intervenir avant que cette réunion ne dégénère. C'est pas grave, bon, c'est pas grave, on va y arriver. Voilà, hop, on est placé. On incante. On pompe de l'énergie. Peut-être pas tout de suite d'ailleurs. Peut-être juste les trucs un peu longs. Là, hop. Oui. Puis-je vous aider? Pour ceux qui ont okay. Péri. Il faut penser stratégique là. Très efficace d'or, non? Très très efficace d'or. Yeah. En place. J'en ai assez. D'ailleurs, il me faut Jaira aussi. À vos ordres. Ok. On se replace tous. S'il n'y a pas le choix. On sauvegarde ici. Ah, on peut pas sauvegarder. Oh, j'ai sauvegardé. Yes. Bah non, pas vraiment. Mais le truc, c'est que c'est mieux pour présenter des preuves, on va dire. Je suis la loi. Alors. Monsieur Sarévoque, vous êtes où? On vous voit pas. Partons sur le fait qu'il est mort. Une tâche facile. On a besoin d'une immobilisation de sa personne, si c'est possible. Qui n'est pas des sorts gratuits comme tout le monde pense. Prendre un peu de vie. Donc de toute façon, quoi qu'il arrive maintenant, il va falloir qu'on fasse quelque chose. Alors déjà, est-ce qu'il a pris les coups? Non, je crois pas. Si, ça révoque, il a réussi à lui piquer sa vie. Par contre, il a une résistance à la magie. Ouais. Et il a déjà tué... Non, il a tué personne. Parce qu'en fait, le problème, c'est ça, c'est qu'on va devoir le garder en vie aussi. On va faire dodo. Waouh, c'est bon beau clat style, hein.
Vous êtes une bien étrange personne. Je m'affaiblis. Il va me falloir être. Je peux toujours essayer. Courez en perdre haleine. Vous ne pourrez pas vous cacher indéfiniment. Nous n'en avons pas encore terminé, Roland de la Tourbeau-son. Je vous tuerai comme j'ai tué Gorion. Le seul moyen pour vous de rattraper la paix, ce serait de me tuer d'abord. Bah là, on était pas mal, hein. On a survécu. Il y a Belt qui a survécu, mais l'autre est décédé. Je crois que c'est dans notre plus grand... Je crois que c'est dans votre plus grand intérêt de retrouver et de tuer Sarevok avant qu'il ne se charge de vous. Alors, est-ce que je lui dis ça parce que ça permet de nous disculper des meurtres précédents ou pas ? Ou je vais être déchu ? Ouais, c'est officiel. C'est officiel. Par contre, la caméra, elle m'en veut. Hein. Malgré tout, je crois qu'il serait bien pour vous de savoir où il s'est téléporté. Un instant, je vous prie. Mon dieu va m'indiquer où il se trouve. Allô ? Allô, mon dieu ? Il s'est transporté à la guilde des voleurs. Ce serait une bonne chose de le poursuivre et de mettre fin à ses maléfices. Après tout ce que vous lui avez fait, il est certain qu'il cherchera à prendre sa revanche. Ah mais si, non, il y a les deux personnes qui ont survécu. Incroyable. C'est une win. Et on a plein de petits trucs par terre. De gentilhommes. Oui, bien sûr. Peut-être futur disculpé, hein. On sait pas. On n'a pas fait dodo, je crois. Ah si. Ça n'a pas marché sur monsieur. Alors, Razad, c'est toi qui récupères tout. Pic, 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 pic. Voilà. Ça, on s'en fiche. Sauvegardons. Oui, bien bon, sûr. Bah c'était bien. Est-ce qu'on est poursuivi par les paladins maintenant? Les galbes. C'est vrai. C'est vrai. Est-ce que vous pensez qu'on est poursuivi encore maintenant? Une tâche facile. Mon direction de la guilde des voleurs. Hein. Alors, est-ce que j'ai été déchu? Grande question. Non! Je n'ai pas tué de paladin en même temps. J'aurais pu, mais sans faire exprès. Cette ville est un fléau pour l'environnement. Il aurait mieux valu laisser cette terre à l'état sauvage. Voilà, ça fait partie des phrases de GR, hein, mais c'est pas celle-ci que j'aime bien. Celle que j'aime bien, c'est quand il dit « C'est une plaie béante !» Sur mer, terre, ou je sais pas quoi, terre-mer. Temple de Home. Est-ce que vous pensez qu'on peut vendre des trucs, là, au Temple de Home? Je vais voir. Bonjour. Tâche facile. Prêtre. Le armé. Vigilant connaît tous vos péchés. C'est merde de me sentir constamment surveillé, je trouverai mon chemin seul. Alors, les services que vous proposez, est-ce que c'est l'achat, entre autres, de pierres? Non, les pierres sésame, on peut aller se faire vraiment... Rappel à la vie, dissipation de la magie, délivrance de la malédiction, soin de blessure grave, ralentissement du poison, rappel à la vie. Rappel à la vie, c'est bien, hein, mais bon... Il achète des trucs ou non? Non. Ouais, on va identifier les épées. Et tous les trucs qu'on n'a pas identifiés, on va les identifier vu qu'on est ici. Et on va tout revendre. Bien entendu. Non. Oui. Le Moltar. Son cri de guerre eut la faveur des dieux et est devenu depuis lors des contrées un symbole parfait d'amitié dévouée et de loyauté. C'est pourquoi la hache magique fut utilisée pour répandre ses vertus et doit servir contre ceux qui manquent d'honneur et de courage. Moi, je m'en vais. On le prendra pour le lurk, c'est rigolo pour le lurk.
non utilisable, un D8, deux tranchants, facteur de vitesse, super, super. J'ai tout à fait compris tout ce qui était écrit. Voilà. La robe des filous. La robe des filous. On peut même pas checker ce que c'est, tellement c'est nul. La robe des filous. Hop, hop, les bracelets. Bracelets de défense. Et les lames de l'ombre. Ok. Flèche. Ah, j'ai un petit dollar sur ma tête. Ça veut dire que... Des flèches de feu. Incroyable, terminé. Est-ce qu'on a d'autres choses qui sont dans nos mains non identifiées? Voilà. Beaucoup trop de choses de ce côté-là, je vois. Bon, prends les papiers, Razad. La lame de l'ombre. Qu'est-ce qu'elle fait, la lame de l'ombre? 1 des 3, 1 des 6 plus 3. Toi, tu peux utiliser ça, ouais. Ok. On va identifier tous tes trucs. Une tâche facile. Moi, je m'en vais. Moi, je m'en vais. Oh, c'est des fronts plus 1. Depuis tout à l'heure, on n'utilise que des trucs nuls. La fossoyeuse. Ça, c'est intéressant, par contre. La fossoyeuse. Flèche de feu, on va les mettre. Ça, faut vendre. Hein. Faut qu'on aille dans une boutique. Maintenant, on va pouvoir se balader. Hein. La fossoyeuse, elle fait quoi? Des ouvrages sur la magie révèlent finalement sa nature, à savoir l'arme de prédilection des criminels. Et fut dérobée quelques temps après, d'accord. En vrai, c'est surtout la front plus 1 qui m'énerve de l'avoir, mais c'est pas grave. Bille plus 1, ça sert vraiment à rien. Et bille plus 2, ok. Bon. On va prendre le boot de quoi? Le boot dragon d'Arla, c'est mieux. Les flèches de jet, de fait, non, ça on a, c'est bon. C'est qui a les cheveux? Ouais, les cheveux de nymphe, c'est là. Ça, la robe de filou. Très populaire chez les voleurs mages. La robe de filou a été enchantée pour protéger quiconque la porte contre les lames et les poisons de ruelles sombres. Des ruelles sombres. Pour dire au revoir, ouais, c'est pas mal. Une fois activée, la baguette émet un fin rayon bleuté, long de 18 mètres. Et du coup, ça c'est pour Jaira, non? C'est Jaira qui peut utiliser ce genre de truc, mais là, non, apparemment. Donnez tout ce qu'on veut pas utiliser à monsieur. Ah, mais il va être alourdi. Je sais qu'il est alourdi vite, lui. Ok. La hache d'arme de Maltar. 1d8 plus 2. Force. Et on a déjà une hache de Balar, le tueur de magicien. Mais on n'avait pas une arme en plus, là? Pourquoi elle a disparu? Le cœur du golem. Plein de trucs qu'on va jamais utiliser, encore une fois. Il faut que je check l'épée qu'on a trouvée. Ah, ça, on l'a pas repéré, ça. Et maintenant, que ça, ça va nous aider, parce qu'il paraît que c'était une des plus puissantes. Ticric, ça dit ça. La défense pratique. L'aventurier voyageur ne pouvait retrouver... Meilleure armure. Classe d'armure 0, moins 3 contre les armes tranchantes. 11 en force. Ok. Poids 18. D'accord. Mouais. Faut bien trouver des ceintures aussi. Les ceintures, c'est vrai qu'on n'en trouve pas non plus. En fait, il manque des cordonniers. Bon, bah, on sauvegarde. Oui, bien sûr. La fossoyeuse, c'est pourri, moyenne. C'est une bonne question, ça. La fossoyeuse... ouais, mais... en fait, la fossoyeuse pourri, moyenne, c'est intéressant, mais... en fait, c'est le nombre de cac... La lame d'ombre. Que ça sert vraiment. Parce que en vrai, ça pourrait servir pour Azad, ça. Ah, mais ça, on peut s'en débarrasser de ces deux-là. Vous voyez, vendre ça, les Wakijaki, là. Et maintenant, où? On va chercher une boutique, hein. Oui, bien sûr.
Maintenant qu'on peut se balader apparemment. Verrouillé. C'est abandonné. Rentrons dedans. Par ici. Oui, bien sûr. Du vent, le mendiant. Vous n'auriez pas dû vous introduire dans la maison de mon maître. Maître Jardax sera pour le moins contrarié quand il apprendra que des vandales ont troublé l'ordre de cette demeure. Dites à votre maître que nous voulons lui parler tout de suite. Nous allons bientôt partir. Désolé pour le désordre, mais je suis sûr que vous n'aurez pas de mal à faire le ménage après notre départ. Jardax ne reçoit personne et surtout pas une bande de vandales, mais je me présente par politesse. Je m'appelle Drelic. Maintenant que vous connaissez mon nom, je peux sans remords vaquer au nettoyage de votre désordre en commençant par vous évacuer des lieux. Pas le choix. C'est fait. Craignez mon courroux, car il est grand en effet. Qu'avez-vous fait? Mon valet ne vous aurait pas laissé arriver jusqu'ici à moins que vous ne l'ayez tué. Pauvre diable, vous ne savez pas ce que vous avez fait à cause de votre insolence. L'enfer va résonner dans vos hurlements. Et attendez, c'est votre valet qui nous a attaqué, nous ne faisons que nous défendre. Si vous devez engager du personnel, prenez quelqu'un d'un peu plus intelligent. Non. Qui êtes-vous et où avez-vous eu cette belle armure? Vous ne comprenez pas la gravité de votre situation, brigand. Puis en sortez vos équipes que nous puissions combattre. Mais ça, c'est une quête qu'on n'a pas fait, on est d'accord. On n'a pas check cette quête. Hein. On va revenir en arrière. Je vais les laisser vivre. C'est fait. On va les laisser vivre. On va quitter leur préoccupation. C'est fait. Une tâche facile. Moi je ne sais pas lire alors. Ah oui, bah c'est là sur le coup, et tu as dû remarquer, je ne lis pas non plus beaucoup. Hein, pour le coup. Là on check juste les alentours, mais bon. J'ai l'impression qu'on trouvera jamais de ceinture dans cette histoire. C'est bonjour. Ni de chaussures. Oui, bien sûr. Ah, ben, on vous avait pas vu, vous. Attendez. Ma femme a chauffé les oreilles. C'est fait. C'est quoi ça? La demeure de Ramazi. Ah oui, mais faut qu'on lui rapporte le truc ou pas? Qu'on lui dise qu'on n'a pas ramené sa nymphe. Qu'il voulait absolument. Alors que, en fait, nous, on avait juste pas envie. J'ai l'impression qu'on on a pas de problème avec, avec la maréchaussée dans le coin. C'est fini maintenant, les problèmes de la maréchaussée. Mais on a quand même fait un nettoyage au point enflammé au cas où. Je vois que vous êtes de retour. Inutile de me dire que vous avez trahi, car je le sais, c'est de la folie de venir ici pour avoir rompu notre contrat. J'ai des tas de sorts qui ont besoin de certaines parties d'une nymphe. Voilà, c'était sûr. Ne jamais faire confiance envers les mages. Tout ce qu'ils veulent, c'est récupérer des bouts. Et il va me falloir du temps pour en trouver une autre. Un retard qui me coûte cher à cause de vous, et comme j'ai comme compensation, j'aurai votre peau. Mais bon, allez, ciao. Ciao, à la revoyure. Oh, mon cœur n'y est pas vraiment. He's not here. He's not here. Donnez-lui de la vie, là, à Khalid, s'il vous plaît. Sans chaussures, ça devient long, exactement. Mais un jour, on y arrivera. Je vais donner toutes mes vies. Parce qu'il prend cher, en vrai. Vu qu'il va plus vite que les autres, je pense que sur le combat, il commence à direct avec des coups, et j'ai l'impression qu'il a pas vraiment de protection, cet ami. Voilà, c'est bon, on sauvegarde. Je pense qu'il est en haut. On monte. Ah ! Des gelées moutardes ! Mon pire ennemi. Oui. Oh,
Une tâche facile. On va sauvegarder à chaque étage. Hein. Oh non! Des... Oh, ils sont 90 millions. On va faire un passage par là. Hein. Oui, bien sûr. Le serf à vos ordres. Une tâche facile. On va avoir qui à la fin. Oh non, des gobelins là. Eux ils sont pas sympas, en plus ils ont des flèches. Quel enfer. Là il faudrait un mage. Vite. 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 Oh mon cœur n'y est pas vraiment. Continuez s'il vous plaît. Non, ils étaient un bon nombre. Mais on a récupéré des flèches, il y a des hobgoblins à flécher là. Ça c'est bien. Comme ça on n'aura pas à payer les hobgoblins. De la thune aussi on a récupéré. Je te précise tout. Attends. Voilà, il y a quelqu'un qui est empoisonné. Je ne citerai pas la personne. C'est toujours les mêmes. C'est toujours les mêmes qui sont empoisonnés. Je suis deg. Faut vraiment que je trouve un truc pour lui. Bon, du coup, je récupère les flèches, la thune, inventaire plein. Oui, bien sûr. Qui fait On récupère de l'argent, chose qu'on n'avait pas beaucoup. Qu'est-ce qu'il a lui? Déclare-toi, pourquoi t'es fatigué? Oui, bien sûr. Attendez, il y avait des gens, ils avaient des flèches par terre et là, il n'y en a plus. Ah si, elles sont là. De l'argent. Voilà. 80 flèches. Et 48 flèches. Voilà, on s'est remis en place sur les flèches, c'est bien. Il y a des sorts, mais on va pas les prendre. Une tâche facile. On fait peut-être une petite vérification. Sauvegarde. On continue. Donc là, on est au troisième étage. On va au quatrième. Ah! Des commandos Cobalt. Ils sont 6. Ouh, ils ont des flèches en feu. L'enfer. Alors, je vais envoyer les CAC 40 à gauche et les distances à droite. Et deux CAC si c'est possible à droite. Plutôt. Et nous, on fait à distance. Voilà. Razad et Khalid tranquille. Et Jaira et Dorn d'un côté. Je pense qu'on est bien. Et voilà, 6 perdus. Tout le monde est mort. Tout le monde est mort. Incroyable. Bien sûr, nous allons récupérer ces flèches. Les flèches de feu récupérées. Pas d'argent hein, chez les kobolds, par contre. Et voilà, nous avons des flèches de feu. Pour l'instant, sans sauvegarde en plus. Il n'y avait pas forcément besoin, j'ai l'impression. Ah, j'ai pillé quelqu'un. Je vais sauvegarder. Et on monte. Le mage. Alors, le mage. Lui, on va lui faire des kamehameha. Ah, on peut pas. Bon, on va foncer dans sa tête, hein, comme tous les mages on a fait. Oh, mon cœur, ah bah voilà. C'est fini. Le mage est mort. Le mage est décédé grâce à deux flèches de notre cher Roland Nathan-Bresson. Flèche de feu, touché. 18, plus 18. Il y a tout. Et c'est tout. C'est tout. Touché. 10 et 18. Voilà. Et il n'a rien pu faire. Et du coup, on a récupéré du matériel de mage, chose qu'on va sans doute revendre.
Et bien sûr, je pense qu'on va trouver quelque chose dans sa bibliothèque. 4000 points d'expérience. Est-ce qu'on a des gens qui ont des capacités en plus? Un niveau en plus? Non. 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 Ah oui, c'est vrai qu'on peut jumeler la classe de voleur. Mais nous, on a dit, on n'est pas dans ce game-là non plus. Facile. C'est comme si c'était fait. C'est comme si c'était fait. D'accord. Oui, bien sûr. Histoire des élus de Mystra. J'ai lu. Ah ah, des parchemins. Je ne prends pas. J'ai lu. Histoire des trois monts. J'ai lu. C'est quoi le truc qu'on devait récupérer déjà? Ah, l'histoire de la descente de la licorne, c'est ça qu'il nous faut. Je savais que c'était dans le coin. Histoire de la pièce fatidique. J'ai lu. Ça faut ouvrir. Ah ah! Un traité. Peut-être pour apprendre des choses. Du coup, ce sera pour toi, Gérard. Et maintenant, où une tâche facile. Mais prends! Mais je parle de Jaira, pourquoi tu... À vos ordres. Voilà, prends le traité. Histoire des contrées du milieu occidental, d'accord? C'est fait. Histoire du Nord, ok. Je pense que c'est bon. On a la descente de la licorne, on a bien fait de faire ça. C'est fait. Oui, bien sûr. C'est fait. On a bien fait de pas faire confiance à ces mages, là. Ok. Je pense qu'on est bon. Sauvegardons. C'était qui nous a demandé la licorne déjà? Ah oui. Rini, barde et compositeur de balade de la porte de Baldur, m'a demandé de lui apporter une histoire de la descente de la licorne si jamais j'en trouvais une au cours de mes voyages. Rini se trouve dans une des maisons derrière le palais. Ok. Palais de Eltan. Qui doit être. Qui est ici là. C'est ça? Donc derrière la maison. Et oui, c'est là, non sûr. Un des 4 de vie par niveau, donc si ton mage est niveau 10, au max il a 44 PV, moyenne de 22, donc 15 plus 18. Ouais, mais moi j'arrive pas à calculer, je sais même plus comment on fait pour les dés, quand on calcule là, les dés, quand tu fais un dé de 20. Oui, bien sûr. Comment on calcule ces... Perdu, c'est perdu. Par exemple, si tu fais dé de 20, que t'as 18, t'as 4, t'as 13... voilà. Une tâche facile. Tu réussis. Quand t'as 20 ou quand t'as 1. Je sais plus. Tu es perdu. Mais non, mais c'était pas là. On a dit le duc de la licorne là, je sais pas quoi, c'était où? Attendez, parce qu'il faut qu'on aille d'abord identifier des trucs là. Par exemple, on est d'accord que c'est un dé de 20 pour simplifier les dés de 100. C'est moi qui suis fatigué. Une tâche facile. 11, je suis fatigué. Avec un agent immobilier. Ouh. Je crois que c'est Jaira qui a le traité. Traité de clair-pensée. Un point de manière permanente. Le livre est détruit après son utilisation. Placez-le dans un emplacement d'objet rapide. C'est un point permanent de... intelligence. Ok. Pas très intéressant. Il y avait d'autres choses à identifier ou pas dans nos poches? Ouais, il y a cette flèche là-haut. Une tâche facile. Anneau du garde, ça c'est pas mal. Bracelet. Amulette. L'amplificateur, ça peut être pas mal l'amplificateur. Je sens que ça va être bien ça. Robe de filou, on a que des robes de filou. On va aller vendre tout ça là.
JPP. Faut qu'on trouve un endroit où il y a des mages pour pouvoir vendre, parce qu'en fait, c'est un peu... Je sais pas pourquoi, moi j'ai l'impression qu'il y avait la possibilité de faire un... C'est vrai que dans les calculs, c'est pas possible, mais... Amplificateur, du coup, nous amplifie quoi? Métasort permet de mémoriser un sort profane supplémentaire de niveau 2. Et on peut le donner à qui? À personne? C'est qui a les arcanes sombres? C'est toi? C'est Dorn? Dorn, tu peux porter ça? Bah non. Tout le monde est loin. Alors... Pourquoi la robe de Filou, c'est bien la robe de Filou? Mais elle peut pas porter, elle est pas mage. C'est ça le truc. Bracelet de défense, capacité... Est-ce que t'as un bracelet, toi? C'est quoi tes bracelets? L'héritage des maîtres. Ouais, on va mettre ça pour... On a besoin de défense, de toute façon. Ça va changer quelque chose pour toi? Non. Ah, mais on en a déjà. Attendez, du coup, on va mettre ça à quelqu'un d'autre. Qui a besoin de bracelet? Bracelet par mort. C'est vrai que j'avais ça. Je sais pas à quoi ça sert, mais il paraît que c'est bien. Voilà, Jaera a besoin de bracelet. Hop. Ah, mais il y a Dorn aussi qui a besoin de bracelet. Donne les bracelets à Dorn, Jaera. T'en as pas besoin, toi. Toi, t'es à distance. En échange, je te donne cette amulette de profane. Que tu peux pas utiliser. Hop, hop, hop. Les robes de Filou, du coup, oui, personne ne peut les porter. On peut utiliser ça, Ah bon? Tu peux utiliser les sorts, Khalid. Ah bon? Toi aussi, tu peux utiliser des sorts, mais en fait, ça sert à quoi d'avoir des sorts si on peut pas les utiliser? Enfin, bref. Le journal de Sarévoc, on l'a toujours. On va le garder, hein. Si, c'est vrai, et c'est possible. Des 10, c'est vrai que c'est pas mal pour les des 100, parce que ça paraît x10, tu vois. Ça calcule vite. C'est fait. Écoute, je ne sais pas. Et vous vous rappelez où c'était la porte de chez Rinit, là? Rhinopharyngite? Oui, robe de Filou, c'est pour les mages. En fait, c'est pour éviter des trucs, je crois. On attend Imoen. Oh non, c'est Jaera. Oh là là. En même temps, t'as deux livres, hein, je comprends. Le serviteur de Dame Nature, le groupe. Donc, on peut utiliser les sorts verts. Faut que je regarde d'ailleurs aussi. J'ai vu que j'avais un sort en plus du côté de. Et chercher le livre. Je sais même plus c'est qui cherchait le livre. Ah non, c'est... Ah non, ici c'est le chat. I am prepared. I shall commit to the task. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Oui, c'est ça, c'est 2 dés de 10 égale 1 dés de 100, ouais, c'est ça. Rini, facile. Voilà, c'est vous. Allez, hop. De loin les intéressant, je vous donne 80 pièces d'or, super. Souple par les temps qui courent. Vous n'avez pas besoin, c'est vrai. Hop. Bon. C'est fait. On va essayer de visiter un peu Baldur, hein. Vu qu'on pouvait pas avant. Hop, on va aller par là. Parce qu'il y a des choses qu'on a déjà visitées qu'on ne peut pas visiter avant. Bim, propriété d'Entar.
Taverne et auberge, on va peut-être aller faire dodo. Maison de Kin. Le Homelin. C'est l'endroit où on a plus traîné, hein, ici. Oui, bien sûr. La musique d'attente, hein. Allez. Étrange personne. Une tâche facile. Salut, cop. Mince, on sera ravi de faire votre connaissance. Est-ce que le vieux Connolly Finn pourrait bien vous raconter une trahison chez les nobles et combien dans les rues mal famées, on entend des choses qu'on... dites-moi de quoi les braves gens parlent en ce moment. Ouais. Ah non, je connais personne qui aime se faire appeler comme ça, et la plupart des braves gens vous diraient sans doute qu'ils aient une vie plus intéressante que les nobles. Nous sommes libres d'aller où on veut, de parler à qui on veut, ouais, c'est ok, j'espère. Une tâche okay, facile. Vous voulez du whisky ? Oui. Mais vous vendez pas du whisky, on prend l'hydromel si vous voulez. Depuis que le trône de fer a emménagé dans ce presbytère de sud-ouest, des choses étranges se sont produites. J'ignore ce qui se passe dans ce bâtiment, mais ça me fait froid dans le dos. Sud-ouest, presbytère. Allez, royal. Je dirais qu'il se passe d'étranges choses au niveau du quartier général du trône de fer. World of Darkness. World of Darkness. Je ne sais pas non plus ce que c'est World of Darkness. Mais c'est pas grave. C'est fait. On continue notre balade dans Baladur. Et on est d'accord qu'il n'y a pas beaucoup de boutiques quand même, hein, dans ce... L'homme et la cape, c'est peut-être... Ah non, l'homme et la cape, c'est pas un truc... C'est pas une boutique, je crois. On va aller voir, mais je crois que c'est pas une boutique. Si, c'est possible, remarque. Si, c'est peut-être une boutique d'armure. Peut-être qu'il y aura des chaussures. Mais je ne crois pas. Il est actuellement 11h11. Dans pas longtemps, je vous laisserai. Et on se retrouve jeudi. Après. Parce que nous sommes mardi. Ah oui, c'est vrai, c'est là où on s'était tapé. Ouais. Je vous souhaite la bienvenue au home, aidez-nous à un service... Attendez-vous à un service supérieur. Ah, vous avez de quoi payer au moins? Oui. Mais en fait, tu ne proposes rien, donc on va... Salut. Ah, il y a peut-être une autre boutique derrière. Mais oui, c'est une boutique. Forgeron? Vous êtes forgeron? Ça va, non, c'est la cuisine. Ah. Ciao. Ciao. Ok. Moi, je veux juste me débarrasser de mes pierres, si une c'est possible. Facile. Donc, on a fait ça, ça, ça. Ça, on l'a fait souvent, je crois, ici. Maison de Rajvit, grande maison des merveilles, maison de la dame. On va aller voir la maison de la dame, je me rappelle plus ce que c'est. Une tâche facile. Mais là, il y a moyen d'avoir des trucs. Parce que là, c'est un mage. La maison des merveilles, c'est un truc de religion, mais alors je sais plus ce que c'était. Surtout, organisez-vous pour entrer dans cette porte, hein. Bah, tant mieux. Chantala Soulbright et Agnasia. Puis-je vous aider ? Que la fortune de la dame soit avec vous. Ah, c'est le lieu des religions. Un peu de votre temps. Pourriez-vous nous montrer ce que vous avez à offrir ? Oui. Tu nous offres quoi ? Pas grand-chose. Et on peut acheter des parchemins de transformation de la pierre en chair. Des potions de soins. Pas cher les potions de soins, elles ont baissé encore. Mais tu vas pas nous acheter des trucs, c'est ça?
Genre, tu prends pas les pierres? Non, toujours pas. Toujours pas. Les robes de filou, on peut aller mourir aussi. Oh là là, mais il y a plus personne qui veut m'acheter quoi que ce soit. Pourquoi je me balade avec autant de choses? Oh, que vous êtes pas très doué en vente. Hein. Si t'adores l'argent, est-ce que tu prends ce que je te... Dunn est ex-marchand à votre service. Comment puis-je vous aider? Oui, indique-moi les boutiques. Il n'y a pas de magasin bien en ville. Non, aucun. Ne vous faites pas d'illusions, surtout avec ceux des 7 soleils et du consortium des marchands. Ah, c'est ça? Pas de bonne boutique? Mais c'est ridicule. Qu'est-ce qui ne va pas avec les 7 soleils? J'avais l'habitude de parier avec ces types, mais il y a quelque chose qui cloche. Je leur dois des 1000 et des 100, mais rien ne se passe. Pas de gars costauds armés de matraques frappant à la porte. Ok. Ils ne sont plus les mêmes. Donc c'est les 7 soleils et le consortium, du coup. Ok. Bon, on va aller voir aux 7 soleils, du coup. Oui, bien sûr. The World of Darkness, c'est le monde de l'univers de Vampire la Mascarade. Et toutes ses extensions, Loup-Garou, Mage, Changeling, Changelin, Umbra, etc. Un gros morceau de mon époque, et tous avec le même système de résolution basé sur des dés de sang. D'ailleurs, juste une question, c'est si bien que ça, Vampire la Mascarade? Il y a beaucoup de gens qui y jouent. Le consortium des marchands, c'est en bas. Faut aller après. Faut qu'on fasse faut qu'on fasse le tour parce qu'on s'est tellement pas baladé. C'est fait. Qu'est-ce que c'est que ça? À l'est, vers la place du marché. Ok. Il y a une place du marché. On va trouver des chaussures. Vite, vite. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est nul. Non avenue. Eh mais attendez, il y a une entrée de d'égout qu'on a jamais pris. Vous devez réunir votre groupe avant d'aller plus loin. On va en profiter pour faire dodo. Je crois qu'il nous faut de faire dodo. Ah non, on est allé à la taverne, ça va. J'ai rien dit. On attend arriver. Comment c'est possible qu'on ait... Attends, on est déjà monté 15 fois. Ah mais c'est parce que c'est dans l'ombre. Oh oui, bien sûr. Comment j'aurais pu me douter? Comment on monte? C'est fait. C'est ça le marché? Bonjour, vous êtes vendeur? Mais oui, c'est des étals de marché, incroyable. Je veux... Vous mâchez voilà. Pas vos mots, vous, hein? Non, moi, je veux juste qu'on vende des chaussures, s'il un vous plaît. Homme ne doit jamais parler à son supérieur. Ah, ça y est, il y a Sarah Evoque qui commence à se faire balancer par tout le monde. Salut. La classe. Les crieurs publics l'ont annoncé dans toute la ville. Le scélérat a tué son propre père pour devenir chef de trône de fer. Et il a failli tuer les grands ducs. Eh oui. Je sais. Et la bande d'aventuriers de rendre la tourbeau a sauvé la ville. On dirait que Sarah Evoque essaie de tuer tous les grands ducs. Incroyable. Une tâche facile. Non mais t'inquiète. J'y ai pas joué, hein, c'est pour ça que je demande. Y a pas de vendeur en fait. Y a que des non-vendeurs hein, ici. Là par contre, il y a un vendeur. Ça a l'air d'être la place to be. S'il vous plaît, de place to be. Laissez-moi parler avant d'attaquer. Mais je t'ai pas tapé. Associé de Marek l'assassin, je ne vous veux en Kalman. Faites vite. Mon associé Marek vous a empoisonné pendant que vous dormiez. Il a versé un poison magique à l'action lente dans votre repas. Vous avez environ 10 jours devant vous. Les sorts ordinaires de prêtre ne vous soigneront pas. Une seule chose peut vous guérir et c'est l'antidote. Je peux vous aider à la trouver à la condition que vous me dites d'abord. Ok. Mon problème est suivant, je ne travaille pas pour le trône de fer de mon plein gré, mais plutôt que parce que j'y suis forcé, on m'a jeté une sorte de quête. Un sort de quête. Si je n'obéis pas aux ordres de Marek, l'envoûtement prendra effet et je dépérirai. Je dois trouver un moyen de me débarrasser de ce sort. Je sais qu'un devin de la place du marché pourrait avoir la réponse que je cherche, mais je n'ai pas d'argent pour le payer. On peut vendre avant. J'arrive. Oui, bien sûr. C'est vous le devin ? Savoir bien utiliser est la plus puissante des armes. Ah, c'est lui. J'ai accepté d'aider, hein. C'est la vérité que vous savez. Quels sont les projets du trône de fer? Quel pouvoir de libérer? Seule la grande prêtresse a le pouvoir d'annuler le sort de quête de l'entrante. Vous la trouverez à la maison de la reine des eaux. Ok. Je ne peux répondre à plus de questions, vous devez partir à présent. Quoi? Attendez, on s'est fait avoir par l'entrante, là. L'univers est génial. En fait, il rend tous les univers avec des vampires un peu nuls. Ok.
Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Faut qu'on sauvegarde avant d'arriver là. Mais c'est un devant, ce n'est même pas... bref. Vous avez compris, on va se faire avoir. Il n'y a même pas de boutique encore. C'est quoi ça? Manoir. S'il vous plaît, laissez-moi parler avant d'attaquer. De toute façon, s'il n'a pas d'argent, c'est pas grave. Après, moi, je m'en fiche, hein, que... Ah si, peut-être là, il y a peut-être de la vente. En vrai, je m'en fiche un peu, mais on va poser les questions qu'on a besoin de poser. Vu que c'est un devant. Quel pouvoir de libérer? Quels sont les projets? Qui est l'homme le plus riche de la Porte de Badur? Et où garde-t-il son argent? Pourquoi Eltan est-il si malade? Ça c'était sûr, je vous l'avais dit. On va charger. Ça c'était sûr pour Eltan. Oui, ok, donc du coup c'est bien la personne qui le sauve, qui le tue, qui nous a mis le meurtre des chefs du drone. Non, ça c'est facile, ça révoque. Ok. On vérifie les autres, hein, mais comme ça on a toutes les infos. Oui, bien sûr. Le savoir bien utilisé est la plus puissante des armes. C'était sûr. Bon, du coup, on va pouvoir aider l'autre en. Une tâche facile. Le savoir bien utilisé est la plus puissante des armes. On s'en fiche. Ouais. Salut. Vous devriez aller à la maison de la Reine des Eaux. On la connaît aussi sous le nom de Temple de Merlu. Je serai à l'auberge de la Lame des Étoiles. Venez me voir lorsque vous avez trouvé un moyen d'annuler le sort de la quête. Ok. C'est fait. Bande de jeux, ouais, j'ai pas envie de jouer. Non mais tout ça c'est bien, mais en fait, moi je veux des chaussures. Mais là aussi, il y avait des égouts, on n'est jamais arrivé par là. Avant d'aller plus loin. Oui, bien sûr. Bon. On continue la balade. Il y a peut-être quelque chose ici, mais... On va dans l'autre sens. Ah oui, d'accord. Plus de discussion plutôt que de le lancer de dés, j'imagine. Bon, c'est intéressant, mais bon. Sur la vision des années Rice. C'est quoi les... Ortho improbable, l'autoris de entretien. L'autoris de entretien avec un vampire. J'aime pas le film. Le livre, je l'ai pas lu. Et du coup, le dernier quartier qu'on n'avait pas fait, c'était celui-là. Je crois que celui-ci, on l'a fait déjà pas mal. Il y a quoi ici, déjà? La boutique et le bureau des consortiums. Ah bah voilà, le bureau des consortiums des marchands, c'est ici. La boutique, on va aller là.
Oui. Imagine bien. Oui, bien sûr. Mais vous êtes pas le vendeur. Je veux vous vendre des choses. Bonjour, vendeur. J'ai des choses à vendre. Chaussures. Des chaussures? Non. L'anneau, je vends. Gemme, je vends. Deux fois même. L'anneau, je vends. Hop. Ça, c'est bon. On peut pas vendre les colliers? La gemme, je vends. La fronde, je vends. Ça, on garde. Anneau, je vends. Pas vendre les colliers. Les robes de filou, je vends. Pourquoi on peut pas vendre les colliers? C'est quoi cette histoire? L'anneau de garde? Non, ça, je vends pas. Gemme? Oui. Opale, gemme? Oui. Faut rien vendre, c'est une histoire, quand même. Je crois que j'ai des... Il y avait de l'argent au sol. J'ai récupéré l'argent au sol. J'ai pas compris ce qui s'est passé. Il a les poches trouées, vous pensez? Ok. Non. Là, c'est quand même une histoire, ça. Alors, l'anneau de garde, ça, je veux bien, par contre. L'anneau des princes. On va peut-être donner ça à quelqu'un qui a besoin de... Pourquoi sur le sol il y a des trucs là? La béquille du haut placé. Anneau honorifique. Bon, on va donner à ça à notre cher ami. Pac. Il y a des choses par terre qu'on ramasse au fur et à mesure. Je sais pas si vous avez remarqué. L'héliotrope, on s'en fiche. Là. On a ça, mais du coup, je voulais le donner à quelqu'un qui n'en avait pas, donc du coup, j'ai un. Tu prends. Normalement, tu peux porter ça. Voilà. Entre la pénurie de fer et tout le reste, les affaires ont plutôt tourné au ralenti ces temps-ci. Non, mais t'inquiète, je te donne de l'argent. Quand tu me donnes de l'argent, je te donne des pièces. J'ai trouvé par terre. Chez toi. Bon, bah voilà. Oui, bien sûr. Ouais, bah ouais. Écoutez, j'ai lu le livre, je l'ai lu les 4 premiers. Moi, j'ai adoré. Et après, j'étais jeune. À l'époque, le 5 n'était pas sorti. Ok. Moi, je n'ai C'est pas fait. Lu. Peut-être que je lirai, du coup. Je pense que c'est Tom Cruise qui m'énerve dans le film. Et c'est qui l'autre qui joue avec Tom Cruise? C'est... J'ai un bon souvenir, mais pareil, j'étais jeune et je l'ai pas revu. Et puis Fanny, ouais, on a rien à voir avec le livre éponyme. La Reine des Damnés. La Reine des Damnés, le film, avec Alia. C'est bien marrant. je crois que la Générale des Eaux, c'est là, quelque part ici. C'est là, la Reine des Eaux? Ouais. Lanterne assourdie, entrepôt. Je veux juste aller aux boutiques, là, pour l'instant. Le quartier général du Trône de Fer. Moi, je veux juste aller aux boutiques, pour l'instant, si c'est possible. Ils ont dit les 7 soleils, hein. Les 7 soleils, il n'y a plus personne, on les a tués tout le monde, je crois. Le consortium des marchands. Bah, allez, on va aller voir les boutiques. 7 soleils d'abord. Brad Pitt, c'est vrai. Brad Pitt et Tom Cruise. Oui, bien sûr. Une tâche facile. Ouais, il n'y a plus personne pour me vendre des trucs. Regardez, je suis arrivé, j'ai démonté tout le monde. Il n'y a plus personne pour me vendre des trucs dans cette boutique, là.
Il y avait pas un truc, une histoire où on pouvait aller en bas? C'était pas ici? Peut-être après, à côté. Ah non, c'est là. Ah, attendez. Une tâche facile. Oh, bien sûr. Lol. C'est fait. C'est une sorcière aussi, ça? C'est fait. La prison. Il y avait une prison, je me rappelle même plus qu'il y avait une prison. Oui, bien sûr. C'est ça aussi d'avoir fait les quêtes avant, avant qu'on nous les donne. Là, il y a marqué consommation des marchands, il y a même le petit écriteau. Donc normalement, si on trouve pas de chaussures ici... Ah, c'est fermé. Ah mais oui, c'est vrai que c'est fermé depuis le début, c'est... on n'a jamais essayé d'ouvrir. Ouais, ouais. J'en ai assez. Maintenant qu'on a une réputation incroyable... Ah oui, c'est vrai, il y avait ça. On c'est pouvait fait. Pas rentrer. Quoi ça, le bazar? On va aller au bazar. Donc pas de chaussures, mais au moins, on peut aller voir. C'est fait. Ah, il achète vraiment sous lui. Ah, c'est bien ça. Ok. L'amplificateur, on va le garder. Je pense pas que ce soit pour nous, mais c'est pas grave. Le protecteur, on va le garder aussi. Gobelet de Durlag, il fait quoi déjà? Guérit complètement le buveur, fait fuir le buveur en premier signe de danger. C'est nul ça. Ça, c'est pas cher payé pour ce que c'est. La difficulté de récupérer ce gobelet. Toujours pas de chaussures. Facile. Bon, on va aller voir la reine des eaux, même si je pense qu'on va pas trouver de chaussures en face là. What time is it? What time is it? 11h30, allez, c'est bon. On va aller à la reine des eaux. On va dire qu'on a toujours pas trouvé de chaussures. Et on va s'arrêter là-bas. Si ça vous va. Et je vais vous envoyer en raid. Quelque part. Je ne sais où. Sans doute chez Ringbell. Ouais. On va faire ça. J'espère que vous avez bien apprécié. Ok, résumé du stream. Clem Lelu, bravo. Avec tes 6325 caractères, bravo, bravo. Nilintu, bravo pour les 800 caractères. Et Ringbell pour les 337, bien sûr. Bravo à vous. Bon, on va aller vers la Générale des Eaux. Là. Et je vais vous laisser là. 110 000 balles. Comment tu peux être autant riche sans voler les gens? Sans claquer. Tout simplement. On récupère tout ce qui est par terre. Et on n'utilise rien. Les gens qui nous agressent, bah ils nous agressent. Et donc du coup, on fait en sorte que... ils déposent de l'argent par terre pour nous, hein. Peut-être qu'on va alléger GR1, peut-être. Hein. Ça, c'est à cause des livres. On part dans 17 secondes. Salut, salut. À jeudi.